Si tout le monde se juge au sucre, aujourd'hui nous sommes sur. Je sais pas ce que j'allais dire sur. Ah voilà, j'allais dire sur Rainbow Six Siege. Et bah pas du tout. Parce qu'aujourd'hui nous sommes sur Dead by Je l'ai très mal dit, donc Dead by Daylight. Pour ceux qui savent pas ce que c'est pas compliqué à comprendre. Je joue en tant que tueur, parce que j'adore jouer en tant que tueur. Alors, tu vois, rien de pour le fun, je vais faire un peu du survivant. Et en fait, le but est simple. Tu as le choix entre contrôler survivant et tueur. Alors, le but des survivants, c'est déjà de base de survivre, hein, logique. Et surtout d'allumer 5 générateurs. Et en fait, quand ils auront allumé les 5 générateurs, les survivants, et ben, il faudra ensuite activer un levier pour ouvrir une porte et s'échapper de la map du niveau. Enfin, ouais, de la map, quoi. Et voilà. Ou sinon, la deuxième possibilité, c'est de s'échapper en trouvant une trappe cachée dans la map. Et bah, de s'échapper par là, quoi. Mais voilà. Et le but du tueur, en fait, c'est simple. Il faut frapper deux fois le survivant, c'est-à-dire une fois il va être blessé, la deuxième fois il va tomber. Et quand il frappe la deuxième fois, du coup, bah, il va tomber. Le survivant va tomber. Il va le ramasser, il va soulever et l'accrocher, enfin le pendre sur un crochet. Voilà, très simplement. Et voilà. Et quand il sera pendu au crochet, bah, c'est là qu'il peut mourir en fait. Ouais. Donc, normalement, logiquement, c'est pas comme ça qu'on tue. Logiquement, on doit. Enfin, logiquement, c'est pas le but du jeu, mais ce serait de joueur donner des coups de couteau et puis il meurt, c'est tout. Non! Pour que ce soit plus difficile, il rajoute les crochets. Et ouais. Voilà, là, vous voyez en fait comment ça fonctionne, quoi. Donc, première image, il faut activer le générateur. Deuxième image, en fait, c'est. Voilà, vous voyez, il y a une sorte de rond, c'est un QTE. Si la barre rouge n'atteint pas la surbrillance, le rond surbrillance, et ben le générateur il pète et il peut savoir où on est, le tueur. Et ensuite, quand on active un générateur, et ben on s'échappe. Tout simplement. En moi, je vous dire tout de suite, je suis pas très fort ce jeu. En même temps, je viens juste de l'acheter aujourd'hui. Actuel, enfin au moment où je fais cette vidéo, quoi. Donc forcément, je suis pas très bon, mais franchement, j'adore le concept. En fait, j'aime beaucoup ce genre de jeu où il y a un tueur et des survivants. Et c'est pour ça que le deuxième jeu qui m'intéresse beaucoup, actuellement encore, c'est Vendredi 13, le jeu. Pas les films, hein, le jeu. Déjà les films Vendredi 13, j'adore, tu vois. J'adore ce genre de film où il y a un tueur, en fait. C'est vrai, hein. Les films, les jeux et tout. C'est pour ça que je regarde beaucoup de. Bah, je regarde des films d'horreur, même si normalement, vous allez me dire, c'est pas de ton âge. J'ai 12 ans, dans quelques jours, j'ai 13 ans. Donc à mon âge, je peux encore. Enfin, déjà, je peux de base, j'ai le droit, hein, de regarder des films d'horreur. Pas la peine de me dire patati patata, j'ai le droit à mon âge. Et ouais, je regarde des films comme ça avec des psychopathes et tout. Wow, c'est pas forcément violent à part certains films quand même, mais voilà quoi. Surprise, motherfucker, bitch! Parle pas parce que je suis très concentré. Je pense que vous pouvez le voir. Honnêtement, j'ai pas envie de crever maintenant, surtout que la game vient juste de se lancer, quoi. Donc, le but c'est de survivre de base, hein, donc si je meurs, bah voilà quoi. Hop là. Ok, je l'ai échappé. Alors, j'ai essayé un peu de le brain. Franchement, ça passe. Ça passe.
Franchement, je trouve que j'ai quand même bien joué, quoi. Le mec, il a rien vu. Oh, il est juste là. Je disais, le mec, il a rien vu venir. Je l'ai brain au moins deux, trois fois, quoi. Franchement, ça passe. Je me suis bien échappé. Ah, mais le but, c'est d'activer le générateur. En fait, il y avait un générateur. Et je voulais l'activer, sauf que j'ai entendu les battements et tout. Enfin, je me suis barré, quoi. Par contre, je sais plus du tout où c'était. Et le tueur n'était pas loin, en fait. Alors. Alors, je disais, en fait, dans le jeu, on peut courir en appuyant sur L1 et en avançant en même temps. Sauf que le truc, c'est que. Comment dire? Oh putain. Putain. Et vu qu'il était pas loin, je suis obligé de me barrer maintenant. Je vais revenir après, je vais revenir. Putain, mais je suis con. J'arrive pas à faire le QTE. C'est grave quand même, hein. J'y arrive pas du tout. Et ouais, je voulais dire, en fait, on peut courir en avançant, en appuyant en même temps sur L1. Sauf que le problème, c'est que quand on court, il peut nous voir. Donc, enfin, que quand il est proche de nous, en fait. Et donc, bah voilà quoi. C'est ultra stressant. C'est stressant quand on entend les battements, en fait, se dire qu'il est pas loin. Il va pas venir là, je pense. Putain, mais ouais, je peux pas se barrer un peu plus loin. Putain, les casse-couilles, ce mec. Je serais peut-être plus tranquille ici, je pense. Là, je serais moins visible. Allez. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Reste deux générateurs et puis on se barre. Allez. Pierre, je les attends, mais. Enfin, je les laisse faire, mais. Oh. Merde. Merde. Et merde. J'ai envie d'aller l'aider, mais il faut vraiment. Il en reste deux, quoi. Il reste deux générateurs. Il faut quelqu'un à l'aider de toute façon. Ouais, merde. Ok, il se débat. De toute façon, c'est mort. Il se débat. Laisse tomber. Faut jamais se débattre. Lui, ce débat, il est foutu, quoi. Ça sert à rien d'aller là-bas. Il va mourir. Allez. Come on, please. Quelqu'un pourrait pas venir m'aider, s'il vous plaît? Non, parce que c'est pas ça, mais voilà, quoi. Ok, c'est bon. Non. Putain, mais casser les couilles là. Wesh, vous jouez au con aussi un peu. Oh bah voilà, ouais. Ah d'accord, il voulait l'aider, c'est pour ça. Moi c'est mort, j'ai pas envie de moi. Il reste un générateur. Ah, ça doit être celui de tout à l'heure. Ça doit être. Merde, faut pas le courir, c'est vrai. Celui que j'ai essayé d'activer tout à l'heure, il était par ici. Wesh! Oh! Putain, il y a un mort, sa mère. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je connais pas ce truc. C'est nouveau ça? Eh, c'est mort, hein. J'y vais pas, moi. Je sais pas quoi ça c'est en fait. Ah, bah ça gagne des points. Alors, faut que je trouve un générateur.
Et il est merde, hein. Franchement, personne va aller l'aider. Ah, mais je vais pas, c'est bon. Hein. À chaque fois, j'ai marre comme ça. Ouais. De toute façon, il doit camper, je pense. C'est le genre de mec à camper, ça. Putain, mais oh, où est le générateur là? Merde, ah, ok. Moi, je vous laisse dans vos problèmes. Moi, je. Oh putain, il est juste là. C'était quoi ça? Putain, je trouve pas le générateur. Putain, j'ai flippé sa mère. C'est obligé, il y a un générateur qui est pas. Qui est pas là. Non, c'est un survivant ça. J'ai entendu les battements sinon. Je disais, il y a forcément un générateur pas loin. Tout à l'heure, je vous dis, il y en avait un, mais après, je me suis barré donc. J'avais quelque part, j'avais. C'est pas comme si j'avais le choix. Hein. Mais, oh, je trouve pas. Hein. Attends, toi, je vais te soigner, toi. Ah, attends, fais gaffe parce que tu risques de mourir hein, quand même. Hein. Non, je dis ça parce que je suis un pied de merde, tu vois, dans les QTE. Donc, je risque. Non, ça va, t'as de la chance. Heureusement qu'il n'y avait pas de QTE, sinon on serait mort. Comme lui, par exemple. Bon, bah, il est mort, hein. Qu'est-ce que je. J'ai cru qu'il m'avait pas vu le bâtard. Hey, hey! Mais wesh, mais pourquoi il vient comme par hasard sur moi? Tu me connais, c'est ça? C'est parce que t'es abonné à ma chaîne, c'est ça? Hein? Oh, toi, t'es vraiment. Ah, de toute façon, je suis mort. Hein. Il va pas venir m'aider l'autre. Hein. Mais bon, je. Eh non, mais c'est abusé. Il est où le générateur depuis tout à l'heure? Toi, ta grosse merde, Rémi. Vas-y, sale patin. Viens m'aider toi. Oh putain, il était là le générateur suisse de pute. Et je veux pas tenter de m'échapper parce qu'en fait quand tu le fais tu meurs plus qu'autre chose. Et lui il va pas venir m'aider. C'est obligé toi non. Bah écoute. Putain, mais viens m'aider. Non, bah c'est mort, je suis obligé de tenter de m'échapper, il viendra pas m'aider. Oh fils de pute. Je veux que tu meurs, que tu te fasses buter, tu n'es qu'une sous-merde. Bon bah écoute, je suis mort. Fils de pute. Et lui, il va. Lui, je vais niquer sa grand-mère, lui. Ok, j'ai pas aidé l'autre, mais. Lui, il aide ses potes, pas. Bon, allez, vas-y, j'abandonne, vas-y. Je suis mort de toute façon. Lui, je veux qu'il meure. Lui, je veux qu'il meure, ce gros bâtard. En plus, j'ai joué bien et tout. Lui, il vient, il nique tout, ce bâtard. Fils de pute.
De toute façon, lui va se faire niquer, il est tout seul. Tu vois, il m'aurait aidé, on aurait été deux, on aurait pu survivre ensemble. Et voilà. Dans le cul de ta mère, bâtard. De toute façon, il était tout seul. Vas-y. Ouais, bon, j'ai gagné pas beaucoup de points là-dedans, mais ouais. Quelque part, c'est pas comme si j'avais le choix, franchement. Clairement, si je veux, je peux m'en battre les couilles et faire comme à guise, j'ai envie de vous dire. Je sais pas. Voilà. Je voulais. Quelque part, j'avais envie d'aider. Mais. Enfin, de toute façon, je suis mort. C'est chaud. Ce jeu, il est difficile. Alors, on va se refaire une autre partie. Ouais, demain, il y a course. Ça me casse les couilles, ça, c'est pareil. Il faut que je trouve un perso qui est fort dans les mécanismes, en fait. Oh, j'ai débloqué lui. David King. Nous vivons un environnement dur et pollué. De la berceuse des ténèbres. Et c'est quoi en fait son truc à lui là? Info. Alors. Technicien souple et tout. Là, je le prends. Ouais, mais elle est forte, c'est dans. Ah, je prends elle, la chinoise. Avant de. Voilà. J'ai débloqué. La chasseuse. Et ouais. Alors tout le reste là, c'est des mecs à débloquer. Bon, je rejoins en tant que survivant et puis après on va faire tueur. Et c'est parti. Non, franchement, le jeu, il est trop trop cool. Il est trop cool. Et en fait, après, je vais pouvoir améliorer les personnages et tout. Et voilà. Elle, apparemment, les forces, c'est dans les trucs techniques, en fait. A priori. Donc. Bah, je la prends quoi. Si elle est forte de la technique et tout, franchement, voilà quoi. Parce que peut-être que en vrai, peut-être qu'elle est lente et tout ça, elle meurt rapidement. Mais ouais, mais si elle est forte dans les techniciennes, c'est-à-dire que en gros, sera plus vite pour les générateurs et tout. Donc, autant essayer quoi. Autant que prendre, imaginons quelqu'un de résistant et tout ça, mais qui est une merde dans les techniques, enfin qui est pas du tout technicien, qui est nul le générateur et tout quoi. Ah, je suis prêt, moi. Voilà. Sur ma belle. Ok. Donc. Alors, c'est vrai que j'ai joué bâtard. Dans la partie précédente, j'ai joué un peu bâtard. Au lieu de venir aider je sais pas qui, finalement, j'ai abandonné comme une merde. Pourquoi? Parce que mon but, c'est de survivre, en fait. Et dans une vraie situation, dans la vraie vie, si. Imaginons, dans la vraie vie, il se passe la même chose, quoi. Je crois que tu préfères franchement sauver la peau que sauver la sienne, quoi. Franchement, on va pas se mentir. Regarde, t'as le choix de toute façon. Si ce genre de situation nous arrive, hein, c'est notre choix. Soit on va aider et on risque de mourir, ou soit au contraire on tente de s'échapper et puis voilà, quoi. Le meilleur, clairement, pour survivre, bah, c'est tenter de s'échapper sans foutre des autres. Bon, c'est une technique un peu salope, hein. C'est une technique méchante, mais franchement, voilà, t'as plus de chances de survie, quoi. Après, je vous dis dans la vraie vie, si ça vous arrive, je suis sûr que pratiquement tous, voire même tous, c'est ça, quoi. Il y en a un qui accroché, il va mourir, tu vas pas l'aider, tu te démerdes, quoi. Franchement, c'est dans ce genre de situation, c'est chacun pour sa peau. Après, bon. C'est bien de s'aider, faut bien s'entraider tout ça pour survivre, mais franchement. Surtout des malades comme ça, quoi. C'est pas des tueurs comme on peut voir habituellement. C'est des tueurs, c'est limite pas des humains, quoi. C'est des monstres. Voilà. Après, quand on aura activé ça le générateur, on pourra ouvrir ça.
Putain, avec la musique, j'ai l'impression que c'est, tu sais, le cœur qui bat là. En fait, quand le cœur il bat et tout, ça veut dire que le tueur il est pas loin en fait. Et la musique a fait à peu près le même bruit que des battements de cœur, donc à chaque fois j'ai peur que ce soit le psychopathe. Donc là, nous sommes dans la map, dans le champ en fait, le champ de maïs ou le champ de blé, je sais pas trop, des champs. Et dans les champs en fait, tu peux facilement te cacher, mais quelque part aussi le tueur. Tu le vois pas facilement, quoi. Je vais encore jamais tomber sur cette map, il me semble. Ça, quand tu récupères ça, apparemment, ça te donne des. Bon, je vais le prendre, mais. Ça te donne juste des points, apparemment. Bon, je le prends quand même. En vrai, dans la vraie vie, ça, tu t'as tout. T'en as rien à foutre, quoi. Tu veux sauver ta peau, c'est tout. Ah, j'ai gagné des points, je sais pas trop quoi. Oh. Je vais pas aller en bas parce qu'en bas c'est la cave du tueur en fait. C'est la cave du tueur donc j'ai pas trop envie d'aller voir qu'est-ce qu'il y a. Hein. Franchement, il y a. De toute façon, c'est glauque. Donc. Ouf. Tout le monde peut savoir qu'il y a un générateur ici, quoi. Et ça va faire du bruit en plus si ça active, je crois. Je sais pas. Et merde, et merde, et merde. Non, mais je suis nul. J'ai une technicienne et pourtant. C'est qui? Attends, je remonte le son. Allez, flip. Eh, je crois que c'est la berceuse des ténèbres. Je crois. Elle est flippante. Oh, elle est creepy de ouf. Ah, va vite en plus, hein, cette salope. Ah, va vite. Hein. Putain, putain, putain. Non mais c'est ultra flippant. Ah viens juste de passer devant là. Ah viens juste de passer devant et honnêtement. Elle est flippante de malade. J'y retourne mais honnêtement je suis pas du tout rassuré quoi. Oh putain. Sa mère la reine des putes. Sa mère la reine des putes, elle va venir là maintenant. Elle va venir là maintenant, sale bâtard. Va. Putain, merde. Je veux dire, elle est flippante cette tueuse, la vache. Ouais, ils sont. Ok, ils sont tous blessés, quoi, pratiquement. Mais ils se font niquer ou comment ça se passe? Non, parce que là, ils sont. Oh, oh c'est quoi ça? Non mais comment c'est-tu là de base en fait? Salope. Oh toi tu mourras pas sale pute. Commande, commande, commande. Run, 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 run. Wesh. Hihi. Ouais, mais toi tu joues comme ça, toi. Non. Wesh, bah va trop vite celle-là. C'est quoi ça? Bah va beaucoup trop vite. J'ai le temps de rien faire. Alors là, je vais te matraquer la manette. Attends. Non. En fait, ça fait du bruit avec la manette parce que pour essayer de s'échapper quand tu as une porte, il faut faire. C'est pour ça que ça fait un peu de. À demain. En plus, ça reste là. Ah, campus. Moi, c'est moi. En fait, comme technique, elle campe, c'est-à-dire qu'elle va attendre. Bah, en fait, elle fait ça pour pas que les autres ils viennent m'aider, quoi. Donc, je risque de mourir là. Mais c'est salope quand même, cette façon de jouer. Ah, c'est bon, elle est partie. Mais non, mais elle fait le tour. C'est une connasse. Hein. À l'attente des autres, ils viennent m'aider. Voilà.
Moi, je serais elle, j'irais plutôt aller voir les autres parce qu'ils sont en train de réparer les générateurs. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein, je dis ça, je dis rien. Fais comme tu le veux, mais ils sont en train de s'échapper, les autres. Ah, merci. Ok, vite, cours. 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 Merde. Elle s'est fait choper, je crois. Elle a été touchée, mais... Ok, ça va. Oh, allez, j'ai eu de la chance quand même. Hein. J'étais à 2 doigts de mourir. Non, franchement, elle jouait un peu comme une pétasse, quoi. Elle attendait que les autres viennent m'aider pour les buter. Non, mais c'est salope. C'est salope. C'est une technique. Ah, va vite en plus. J'attends un petit peu là qu'elle s'éloigne en fait. Parce que, encore une fois, elle me touche et je suis par terre donc tu vois. Donc elle va venir déjà ici. Donc honnêtement, je restais planqué là en attendant. Parce qu'elle va venir de toute façon ici. Donc le générateur il est juste à côté. Donc c'est obligé qu'elle vienne là. Donc quelque part, j'ai pas le choix d'attendre ici quoi. J'attends un petit peu puis je sors. Dans la vraie vie, je crois qu'on serait tous déjà cachés dans le même placard, tu vois. Tous cachés, les quatre. Tu vois, dans un placard. Dans la vraie vie, je vous dis, si ça nous arrive, on peut rester dans le placard. Mais honnêtement, si on reste dans le placard, jamais on va sortir de là. Donc, franchement, on n'a pas le choix d'aller faire des générateurs. Donc, c'est chaud quand même. C'est chaud. Elle est juste à côté. Bon allez, je sors. Mais claque le pas, sale pute. Ah, c'est un générateur. J'ai envie de m'échapper, donc bon. Si vous voulez savoir, je me suis encore jamais échappé. Donc si je m'échappe, je vais être assez content, je pense. Tu vois? Donc s'il vous plaît, trouvez-moi le dernier générateur et activez-le. Faut essayer de trouver la trappe. Faut qu'on trouve la trappe. On n'a pas le choix. Hein. Donc il faut que je cherche la trappe. Et que je me barre comme ça. J'ai pas le choix. Franchement, là, il reste un générateur. Si on l'active, tant mieux. Mais franchement, je commence à avoir du mal à croire qu'on va pouvoir ouvrir la porte. Donc autant pendant qu'elle s'occupe de l'autre. Parce qu'elle campe, donc forcément qu'elle est là-bas. Autant chercher la trappe en fait. Personne visiblement l'a trouvée. Est-ce qu'elle est cachée? De toute façon, la trappe elle est cachée. Hein. De base, elle est vraiment cachée. Donc
Pour la trouver, c'est pas si simple. Ah, oh, je l'avais pas vue, elle. M'a fait peur, limite. Merci. Thanks. Thanks. Thank you, quoi. Very, very much. Bref. Donc, elle m'a soigné, donc je vais un peu mieux. Mais il faut vraiment qu'on trouve la trappe, hein. À mon avis, je pense qu'ils ont un peu peur. Au moins, vous allez me dire, pourquoi tu restes pas avec eux? Même si normalement je devrais le faire, si ils se loupent ou quoi que ce soit, on est pratiquement tous morts à ce stade-là. Je dis ça, je dis rien, mais bon. Ah oh, putain, il y avait un coffre. Il est activé, lui. Ouais, il est activé. Je vérifie parce que on ne sait jamais, mais normalement, ouais. Putain, mais où ce putain de générateur de merde? Et moi, si je le trouve, il se démerde, hein. Parce que moi, je suis nul en QTE, donc forcément, je vais me faire niquer. Je suis désolé, monsieur, madame, qui êtes pendu. Mais à ce stade-là, encore une fois, on n'a pas forcément le choix. Surtout que la tueuse est en plus de ça une campeuse, donc elle est forcément là-bas. Et en plus, c'est une pétasse. Elle est très très rapide. Donc, si on y va, on est foutu. Donc, encore une fois, donc, on n'a pas le choix de vouloir nous-mêmes s'échapper en fait. De toute façon, clairement, c'est pas une grande perte. On se connaissait pas de base. Donc, on en a un peu, enfin légèrement, rien à foutre. Tu vois, on se connaissait pas de base. Donc, clairement, est-ce qu'on est obligé de venir t'aider? Oh, oh putain. Oh, c'est un crochet, j'ai cru que j'avais trouvé. Oui, bah, par exemple, la trappe. Ça se trouve, je suis passé à côté. Oh, j'ai cru que c'était la trappe. Vas-y, ça se trouve, je suis passé à côté de la trappe. Mais je l'ai pas vue. À chaque fois, je crois que. Franchement, le générateur, je crois que. Franchement, je trouve pas quoi. Enfin, on ne le trouve pas parce qu'on est trois là. On cherche, mais franchement, je trouve pas le générateur. Oh, j'ai flippé quand j'ai vu le truc là, le totem. Là-bas. Non, pas la trappe. Oh, il y a un pote qui m'invite à une partie vocale. Ça sert à rien, de toute façon, je vais aller me coucher donc. Franchement, maille à court. Ah, mais cette fois, avec cette musique de merde, je crois que c'est le tueur. Faudra que je coupe, je crois, la musique parce que honnêtement, c'est ultra. Ultra de la merde. Le jeu? Il y en a, ils disent que le jeu il est très très sombre. Moi, je trouve que ça va, quoi. Franchement, ça passe. J'ai trois générateurs, je crois. Wesh, putain, mais elle veut pas me lâcher cette pute.
Attends. Wow. Wesh, mais attends, elle a abusé aussi. Hein. Sale grosse pute. Puis à quand plus de grosse salope là? Non, c'est bon, c'est pas. Vous pouvez venir, ça c'est pareil, c'est pareil. Bon bah je suis mort. De toute façon, nique ta mère, tu vas perdre. Il en reste plus que la sortie, salope. Ah oui, tu peux me regarder, hein. Tu sais que dans quelques secondes, là, tu vas perdre. T'es pas au courant de ça? Hein? Ah oui. Oui, tu vas perdre. Moi, je vais peut-être mourir, mais toi, tu vas perdre. Dommage. Bon, bah, je suis mort. Non, franchement, c'était une pute. Je vais pas vous mentir, c'était une grosse pute. Ils sont échappés, en plus. T'as perdu, grosse salope. Wesh. Si t'as abusé, c'était la rapidité qu'elle avait, quoi. Attends, j'ai que 4592 points. Non, mais c'est quoi ça? Bon, écoutez, pour la fin, je fais tueur ou pas? Ouais, je vais faire tueur. Alors, je prends spectre, le montagnard. Ou la chasseuse. Ah, j'avais dit la personne d'Eden. Ouais, c'était elle. Ouais, c'était elle. C'est elle. C'est elle, cette grosse putain, là. C'était quoi, alors elle avait... C'était quoi, ses pouvoirs, là? Hachette de chasse. Une berceuse. Ouais, mais c'était une pute, quand même. Ouais, honnêtement, c'était une grosse pute. Celui-là, il est chaud. Hein. Celui-là, ça passe, tu vois. Celle-là, c'est qu'elle est ultra rapide, en fait. Franchement, je prends elle. Elle va vite, elle. Non, franchement, elle est abusée. Elle est abusée du sens où sa rapidité, c'est genre, c'est une formule dans le truc. Hein. Ouh, voiture de course. Jamais vu ça. Franchement, demain, j'essaierai de vous sortir un gameplay. Mais le truc, c'est qu'en fait, comment vous dire? Comment vous expliquer? Du moins. Les cours ont repris, vu que l'école reprend dans d'ici là quelques heures. J'ai pas envie du tout d'y aller, honnêtement. J'ai pas envie. Mais j'ai pas le choix. Les vidéos vont être... bah, voilà, quoi. Tu vois, pas besoin d'expliquer. Il y aura moins de vidéos. Les vidéos seront plus courtes. D'habitude, je suis au moins du 30 minutes, 20 minutes. Hein. Généralement, pour certains disent, pour avoir des vues sur YouTube, il faut faire des vidéos courtes. Moi, c'est pas mon cas. Parce que moi, je ne supporte pas faire des vidéos courtes. Quand je fais une vidéo, il faut qu'elle fasse au moins 20 minutes. Parce que comme ça, au moins, je suis sûr que j'ai fait quelque chose d'assez long. Et donc, voilà, on peut pas dire que j'ai pas été... pendant ces vacances, genre pas. Comment on appelle ça déjà? Ah, je sais plus comment on appelle ça. Vous savez, quand quelqu'un est pas. Enfin, sort pas beaucoup de vidéos, quoi. Genre, sort une vidéo toutes les 3 semaines. Je sais plus comment on appelle ça. Trou de mémoire. J'ai un petit trou de mémoire. Enfin, ça arrive.
Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On peut pas dire que je suis quelqu'un qui sort pas beaucoup de vidéos. Franchement, pendant ces vacances, vous avez, j'ai envie de vous dire, été gâtés. J'en ai sorti des vidéos. Et pendant les grandes vacances, ceux auxquels. Enfin, voilà, les grandes vacances, quoi. Je pense que je vais encore en sortir beaucoup. Ah, mais il y a bientôt encore des autres vacances qui vont arriver. D'autres vacances. Les vacances de Pâques, je crois. Ouais, je sais plus. Enfin, bientôt, il y aura d'autres vacances encore. Mais ça me fait chier de reprendre les cours parce que. J'étais bien, quoi. Je dis en EPS. Enfin, vous en foutez, mais bon. Je dis en EPS, je suis content parce qu'on va faire de l'orientation. Faudra trouver des objets dans une sorte de forêt. Ouais, j'ai déjà été. Je vais pas vous dire comment s'appelle l'endroit, mais c'est un endroit où il y a une forêt, des bâtiments et tout. Enfin voilà, dans la nature quoi. On va devoir chercher des objets. Et à mon avis, je pense que. Comment vous dire? Ils vont pas être faciles à trouver. Regardez la vitesse qu'elle va. Elle est ultra rapide, la tueuse. La berceuse des ténèbres. Son nom, c'est la chasseuse. Et je vous la conseille parce qu'elle est ultra rapide en fait. C'est pas pour rien qu'il l'a pris en fait. Elle est super rapide. Quelque part, c'est un avantage, tu vois. Même si elle est lente ou quoi que ce soit. Enfin, si. En plus, ça fait peur parce que. C'est pour ça qu'on l'appelle la berceuse des ténèbres. Parce qu'elle chante. Le problème, vu qu'elle chante, bah, du coup, les autres l'entendent, mais d'un côté, c'est ultra flippant, quoi. Tu l'entends, sa petite berceuse, là? Quand elle passe à côté de toi avec sa hache de plein de sang, là? Par contre, je ne supporte pas qu'on active les générateurs. Ils doivent flipper leur mère, les autres. Ils doivent avoir peur, quand même, hein. Je pense qu'ils ont peur parce que. Je pense qu'ils ont peur parce que, en fait. C'est ça, berceuse qui fait le plus peur en fait. Le personnage en lui-même, il fait pas si peur que ça, mais. C'est cette berceuse. Elle peut lancer sa hachette. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Comment que ça marche? Par contre, ça, je peux pas vous dire. Ouais, je me concentre sur le gameplay maintenant. Assez de bavardage. Alors. Parce que c'est vrai, depuis tout à l'heure, j'en ai pas croisé un. Ouh. À part toi, peut-être. Ouh. Alors, toi, par contre, toi, t'es pas dans la merde, toi. Non, non, non. T'as fait une connerie, hein. T'es pas au courant de ça, t'as fait une grosse connerie. Tiens, il y a un crochet juste là, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu ce crochet. Je vais pas jouer comme l'autre. Je vais pas camper. Je vais pas camper. Tu vois, je vais te laisser une chance. Ah, par contre, toi, c'est con parce que je t'ai vu, tu vois. T'es derrière cet arbre. Ah là, je t'ai dit que je t'avais vu. Ouh. Je t'ai dit que je t'avais vu. Je t'ai dit que je t'avais vu. D'accord. Oh, je t'avais pas vu, toi. Allez, je te raccroche. Non. Ramasser. Ils l'ont décroché. Très bien. Oh, il y a un petit crochet là. Oh non, j'avais pas vu. Juste là, il y a un crochet. Non, te laisse-toi faire. Laisse-toi faire.
Ça va pas faire mal, ça va pas faire mal, ça va juste picoter un peu. Voilà, c'est bien. C'est bien, laisse-toi faire. J'aime bien faire le rôle du tueur, c'est marrant. Surtout qu'ils sont en train de souffrir. Non, parce que cette tueuse est vraiment abusée, hein, sur sa vitesse. Donc du coup, bah, j'arrive mieux, quoi. Je suis plus à l'aise avec elle. Je suis à l'aise, c'est bizarre. Alors, oh, non, attends, j'y retourne parce que c'est une question de confiance, tu vois. Je vois des traces par terre, je me dis, t'es dans la merde, toi. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh. Le crochet est juste à côté en plus. Ok. Tu veux que je te chante une berceuse? Non, bon. Vu que je suis pas un bâtard, franchement, je vais te laisser tranquille. Tu vois? Coucou. Alors, ils viennent pas t'aider. Oh, petite putain. Tu croyais vraiment que je t'avais pas vu. Erreur de débutant. Mais là-haut. J'adore les faire flipper comme ça. Là-haut. Tu m'as esquivé. Toi, tu joues comme ça, toi. Oh. Tu joues trop avec moi, toi. Oh. Elle joue trop avec moi, celle-là. Franchement. Alors, visiblement. L'autre est parti. Donc toi, ce petit crochet maintenant, eh ben c'est le tien. C'est ton crochet maintenant. Non, franchement, ils jouent au con avec moi, tu vois. C'est une erreur quand même ce qu'ils font. Ils font une grande erreur. Il y en a encore un qui est. Ah, oh, il n'en reste plus que deux maintenant. Où êtes-vous? Et franchement, dites-moi pas que je suis un noob, hein, parce que là, en tant que chasseuse, on peut dire que je sais chasser. Et là, je peux vous dire que c'est du gros gibier que je chasse, hein. Alors, plus qu'à les trouver. Je pense qu'ils sont tous cachés parce qu'ils sont en train de flipper. Ils se disent, merde, il y a deux morts là. Je crois qu'on va arrêter de l'emmerder. Hein. Ouh. Deux morts sur quatre. Ça pique un peu. Ça pique un peu. Le pire, c'est, voilà, ils jouent au con avec moi quand même. Ils veulent jouer avec moi, mais moi, je joue pas avec eux, tu vois. Moi, je suis pas là pour jouer aux bisounours. Moi, je suis là pour les tuer, en fait. Tout simplement, pour les tuer. C'est tout. Je suis pas là pour jouer aux bisounours. Non, mais le pire, c'est toi, elle était limite en train de faire des tours là autour de moi. Ah. Dommage. Dommage. Peut-être que elle aurait pu s'échapper si elle n'aurait pas joué au con. Mais malheureusement, elle était trop conne. Elle voulait en faire trop gros. Bon, elle est morte. C'est tout. J'aime bien quand je fais des kills, je suis content après. Alors toi. Ah non, mais. Non, mais toi, tu voulais vraiment jouer au compte. Allez, hop. Ça tombe bien, il y a un crochet juste là-bas. Ah, il se laisse faire. C'est bien de se laisser faire, tu vois. Allez, hop. Il n'en reste plus qu'un maintenant.
Où êtes-vous? Il n'en reste plus qu'un. Bon bah. Oh, merde. Ça me rassure pas, ça, tiens. Oh, par contre, j'aime pas c'est quand il quitte que j'ai pas mes points. Clairement, je me dis. Parce qu'on dirait que c'est des bâtards. Tu vois. Ça se trouve, en fait, il faut exprès de mourir pour après quitter. Je sais pas. Là, ça m'a attiré. Bon, bah, j'y vais. Viens voir papa. Plus que toi. Allez hop. Dommage. Non. Non, il n'y a pas de hi-hou. Ici, on n'est pas au Japon. Allez hop, t'es morte. Bon bah. J'ai gagné quoi. Je les ai niqués de ouf. Là pour le coup. Oh là là. Ils ont souffert. Ils ont souffert. Je les ai vraiment, pour le coup, là, niqués. Tous, hein. Il n'y a pas eu un survivant. Oh la vache. Cette partie. Et je suis bien entendu celui qui a le plus de points. Et ouais. Franchement, elle est ultra forte là. Et vous avez vu, en fait, c'est surtout, j'ai gagné, c'est surtout parce qu'elle est ultra rapide. Tu sais ça? Ils arrivent jamais à m'échapper, eux. Elle est trop forte. Oh bah putain. Pour une fois, je gagne. Ça se mérite un peu de champagne, ça. Bon. Je vais l'améliorer, puis on va s'arrêter là. Parce que bon, de toute façon, après, il faut déjà me coucher. Il faut juste que j'améliore parce qu'elle est trop puissante. C'est comme ça que ça marche. Et voilà. C'est tout. Je crois que je l'ai assez amélioré. Oh. Ah, je peux choisir une compétence. Alors, soit prédation, votre désir de tuer est si intense que vous perdez notamment votre connexion avec l'entité qui vous rend totalement imprévisible. Le tracé rouge disparaît pendant 15 secondes quand soif de sang s'active. Prédation a un temps de récupération de 120 secondes. Soit implacable. Les attaques manquées avec votre arme principale ont un temps de rechargement plus court. Oh putain, alors ça je prends direct. Oh putain. Alors ça je le prends.
Et je peux faire ça avec tous les tueurs. Je peux. Non, passer au tueur. Attendez, je vais arrêter la vidéo. C'est juste que je radique quelque chose. Par exemple, avec elle. Je peux l'améliorer si je veux, mais si je fais ça. Non, c'est où? C'est. Ah, c'est là. Non, non, c'est là. Alors, t'es où déjà? Oh là. Ah, faut que je l'améliore. Par exemple, ça. Je veux ça. Faut que je les améliore pour débloquer des compétences. D'accord. Bon. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, c'est